Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens ce soir parce que voilà, j'ai vu quelque chose qu'on doit parler parce que vraiment, il s'agit de notre pays, la Guinée. Et voilà, que Dieu nous sauve, Guinée. Que Dieu nous sauve. C'est très important. Très, très important. Mais avant cela, frères et sœurs, bienvenue sur la page de votre frère, Kingaji 224, Toutou Fort. C'est ici et nulle part ailleurs. Oui, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. Nous sommes dans notre pays, la Guinée. Nous sommes Africains entre nous. Nous savons c'est quoi l'Afrique. Nous sommes conscients de quoi l'Afrique est-elle capable? De quoi les Africains sont-ils capables? Vous voyez cette photo comme moi? Vous voyez cette photo? Ah oui. Il y a des mois en arrière, des mois, je dis bien, des mois et des mois, si je ne vais pas dire un an, une personne m'avait contacté. Une personne de très crédible. Cette personne m'avait contacté par rapport à quoi? Par rapport aux nouveaux lampadaires qui ont été installés sur l'axe Amdalaï-Bambeto-Koza. Elle dit, frère, je viens parler avec toi pour ce que je sais et ce que j'ai vu, ce qui s'est passé réellement devant moi. Elle dit, mais je sais que quand je vais te parler et que quand tu parles, les gens auront confiance et les gens sauront que c'est la vérité. Je ne veux pas avoir de problème. Et surtout, parce que quand tu vas parler de ça, les gens vont sortir, aller casser cet endroit, aller détruire ces lampadaires. Parce que les gens savent que tout ce que le King of the King, Toutou Fort, dit, c'est la vérité. Alors, j'ai rassuré la dame en la disant que oui, vous avez raison. Et moi-même, après réflexion, je voulais parler de ça, mais j'ai dit non. Si je parle, les enfants vont sortir pour aller gâter les poteaux. Et ces poteaux, c'est dans l'intérêt de la nation guinéenne. Pourquoi les autres tronçons n'ont pas bénéficié de la même chose que l'axe? Pourquoi? On a le tronçon de l'Ambani qui est sombre, Somphonia, jusqu'à Kobaya là-bas. C'est sombre au fond. Mais ils n'ont jamais fait ça, ils n'ont jamais mis de lampadaire là-bas. La dame me dit, là où ils ont fait le travail, là où ils ont fait tout ceci pour mettre sous les poteaux, j'étais là, j'étais présente, ça s'est passé devant moi. Oui, pour la simple et unique raison que le gars ne va pas quitter, ne veut pas quitter. Maintenant, je ne veux pas parler sur ça parce que, en gros, je ne voulais pas que les gens partent gâter les lampadaires. Mais en réalité, cette dame a dit qu'il y a eu du travail qui a été fait pour la simple et unique raison de salir, mépriser les militants de l'UFDG, de salir, mépriser le président de l'UFDG et toute sa famille et tout son entourage. Oui, faire le travail pour que les gens de l'Axe puissent détester notre président. Mais fort malheureusement pour eux, le président Selou, c'est un homme béni de Dieu Allah Jawajal. Comme l'a dit Tcheboro à la barre, c'est un Waliou. Et un Waliou, ce n'est pas n'importe qui. Tous ces gens qui disent que, ah, il n'est pas, voilà, il n'est pas chaud, 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 chaud. Non. Quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui s'en remet à Dieu. Il faut avoir peur de cette personne que la personne qui est plus chaud, qui est plus bagarreur. Est-ce que vous comprenez? Vous qui faites des analyses pour dire que ah, il faut que celle-là soit crac, 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 crac. Hey! La personne qui s'en remet à Dieu, c'est la personne qu'il faut craindre. Parce que quand Dieu fait ton combat, rien ni personne ne peut te vaincre. Oui, les personnes qui sont crac là,
tu vas trouver quelqu'un d'autre qui est plus crack que lui. Tu trouveras forcément quelqu'un qui est plus crack que toi. Tu dis que, ah, moi, quand je pars, je vais décider tout, ça va faire la guerre, pam. Je ne vais pas quitter tant qu'on ne me donne pas le pouvoir, mon frère ou ma soeur. Tu trouveras forcément quelqu'un de plus crack qui va te maîtriser plus que toi. Mais si une personne s'en remet à Dieu et que Dieu fait son travail, c'est le plus important. Aujourd'hui, vous avez mis un statut, un nouveau statut à la T5 pour encore continuer vos trucs de satanique, continuer vos trucs de bizarre, continuer vos trucs de, c'est-à-dire, désespéré. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Parce que nous, c'est le ciel qu'on loue. Nous, c'est Al-Hayyu Hayyu qu'on loue matin, midi, soir. Jul Jalal wa l'Ikram. Il n'y a pas plus maître que lui. Il n'y a pas plus magicien que lui. Il n'y a pas plus savant que lui. Il n'y a pas plus malin que lui. Il n'y a pas plus fort que lui. Alors nous, on s'en remet à ça. Donc ce message est adressé au CNRD. Le nouveau statut satanique que vous avez mis à la T5, encore pour l'UFDG, encore pour le parti UFDG, son président, ça ne marchera pas. Continuez à faire tout. Parce que le statut, ça explique quelque chose. Et vous verrez, tout en bas du statut, il y a comme un truc de caniveau, on doit tirer. Il y a quelque chose là-bas en bas. Mais je n'affirme pas. Mais avec tout ce qui s'est passé, avec tous les statuts que l'autre, leur soi-disant parrain, M. Kouyaté, la main noire, avait mis les statuts sataniques qu'il avait mis dans les carrefours là. Jusqu'à présent, il y a l'autre qui est au carrefour de Kaloum. M. Kouyaté, même si vous restez 100 ans à compter sur cette statue que vous allez maîtriser, un jour devenir président en Guinée, ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Parce que affaire de statue, affaire de mettre les statues là, vous conviendrez avec moi que c'est un truc de l'ancien Kouyaté au temps de Conté. Alors, si on revoit encore ces mêmes pratiques revenir au temps du CNRD, il faut se dire que l'ancien Kouyaté a sa main dedans. L'ancien Kouyaté a sa main dedans. Est-ce que vous comprenez? Regardez ce statut bizarre là. Regardez ce statut vilain là. Regardez ce statut d'une telle allure qui n'a pas de définition. Quand vous allez leur demander la définition de cette statue, ils ne pourront pas vous le donner. Parce que c'est un truc satanique. Oui, mais la banane, comme on sait que la banane est mou, c'est-à-dire la banane est glissante, c'est endormi. Le peuple, comment on sait que la banane, parce que leur statue qui est une banane, soi-disant banane, mais au fond, cette statue cache quelque chose. Ça cache quelque chose. C'est ce qui est la vérité. Mais nous allons vous dire, moi personnellement, je vais vous dire, que cela soit clair et net pour vous. Wallahi, billahi, alhamdulillah, tallahi, wallahi, billahi, tallahi, vous n'allez rien réussir contre la volonté divine, contre la volonté de Dieu. Nous, c'est le ciel qu'on loue. Moi, personnellement, oui. Chaque jour que Dieu fait, Mashallah, je prie. Je prie pour mon pays. Je prie pour ma nation. Je prie pour mon président. Je prie pour moi-même et ma famille. Et si Allah sait cela, que toute personne satanique qui veut rester dans notre pays, dans le seul but de faire souffrir cette population, pauvre population aujourd'hui qui souffre, qui ne savent plus où mettre la tête, Dieu, on s'en remet à votre jugement de nous départager, nous et ces gens-là. Nous, nous vénérons que vous, Allah Adjawajal, nul autre, si vous êtes au ciel et que vous savez qu'on fait cela chaque jour, chaque nuit, Allah, kum fayakum,
sauver la Guinée. Libérez la Guinée. Ouvrez la porte pour les Guinéens, pour que la Guinée arrête de souffrir. Donc, il faut que cela soit clair et net pour tous les membres du CNRD, pour tous les éléments du CNRD, pour tous les mains noires du CNRD et pour le bébé en personne. Montez au ciel, descendez, faites tout ce que vous voulez. La force divine, rien ni personne ne pourra la vaincre. Un point barre. C'était votre frère, Kengagé, le 124, militant, communicant de l'UFDG, le futur président Alagui Sélou Dalein Diallo. Longue vie, santé, prospérité à mon président et à toute sa famille présidentielle. Bonsoir chez vous.